Et nous sommes repartis. Donc j'ai enfin trouvé la personne qu'il nous faut. Donc elle est là en fait. Gisement de pétrole. On va passer par là. C'est... Le givre écorcheur, c'est celui-là. Honnêtement, ils ont tous la même gueule. Et il y a tout le monde qui parle à chaque fois. Donc c'est très... C'est un peu déstabilisant en fait pour trouver... Oh putain, ferme ta gueule. Pour trouver la bonne personne, je trouve. Mais voilà, on y est. Alors, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... C'est juste au cas où si le combat commence en fait. Zeus, toi tu vas m'accompagner. Toi tu vas te sniper, on va les mettre côte à côte. Toi, on va te mettre là. Et nous on va parler. Juste au cas où si ça part en couille direct. She brings our sisters and brothers from across the crater. Together, we will descend upon these gippers and raise their heretic bodies to the sky. And you, worry not. Your hands may stay clean. As far as you can see, anyway, you are blind to the stain of sin. Je ne pas que vous avez été incapable de vous débarrasser de la statue. Sommes occupés, trahissez-nous et c'est fini. Il s'en est fini pour vous. Ah merde, on n'a pas de récompense. Après, là, le fait de pouvoir tuer Valor en fait. Parce que l'autre, il nous a dit de le récupérer. En gros, en fait, on le fait tuer par lui. Par eux. En gros, c'est ça. Donc comme ça, c'est pas nous qui l'ont tué. Je crois que c'est ça le développement de l'histoire, en fait. De leur dire à chaque fois de pouvoir tuer Valor. Je crois que c'est ça. Mais bon, je pensais qu'on allait avoir une récompense parce qu'on a détruit la statue. Mais honnêtement, non. Donc ce qu'on va faire, on va donc les tuer, les attaquer. Vous savez quoi, ils ont changé d'avis, on peut pas vous laisser vivre une bande de tarés comme vous. On va les attaquer eux, on va les tuer eux. Comme ça, du coup, ben, on finira la quête du côté des Gippers, là. Et après, on ira prendre Lucia. C'est ça son nom, à chaque fois, j'oublie. La cowboy pour pouvoir acheter le torse qu'on veut. Et peut-être les fabrications, là, les deux papiers, pour les grenades IEM et tout ça. Et je pense qu'on est bon. Et après ça, on pourra enchaîner sur la suite et tuer tout le monde. Et on va s'allier bien sûr avec les robots. Hein, donc, ouais, évidemment. Donc, ouais, on va faire comme ça. Là, c'est parti. J'espère que... Là, on est en plein milieu de leur camp. Hein. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. What sort of monster betrays their allies on the eve of a momentous massacre? Bah t'inquiète, il va en avoir un massacre. C'est juste que c'est vous qui allez vous faire massacrer. C'est juste vous. J'aime bien le fait que la lampe fonctionne en fait sur l'arme. Ouh, 1620. Ah, je comprends pourquoi. Pourquoi on peut commencer le combat en faisant ça. En faisant la valve. Oh, la musique, elle est cool ici. Yeah. Ah, ça va me plaire, ça. Yeah. Mais on en a deux ici, putain. C'était un peu nul. Attends, je veux pas toucher la... Ah.
Ah, attends, je peux faire ça. On risque d'avoir des problèmes parce qu'on n'est pas super, super bien placé, honnêtement. Un PA, et après on peut tirer... Non, c'est 4 PA. Très bien. Alors, est-ce que c'est considéré comme un boss, lui, ou pas? Si je touche tout le monde, faut que Fury elle bouge en fait. On va peut-être pas toucher tout le monde. Sa cover a été détruite. Proof humans can live without a brain. On n'a pas un tir. Ah oui, ben ça. Merde. Je pensais que ça allait le tuer. On peut le tuer. J'ai envie de faire ça pour nous protéger. Voilà. Oh. What? Merde, ah, elle est pas protégée. Dévotion. Oh la vache. Ah merde, il est mort. Non, mon dieu, tire pas sur le bidon, ça va pas la tête. Très bien. Ça va, elle a pas de debuff. Et elle est accroupie en plus, c'est cool. Mais elle a pas de perte. On va retenter. Alors. Ah oui, Thunder elle a plus de PA. Ça fait chier, parce que c'est plus no mec qu'autre chose. 83. Thunder, elle peut plus bouger. On va faire ça. Sentinelle. Ça nous fait combien de PA là? Cible invalide, ok. Très bien, 460.
Un peu compliqué s'il n'y a pas de robot, rien. Ah merde! Oh non, quoi que non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Je sais pas trop quoi faire en fait. Mais j'ai pas trop le choix en fait. Ok, toi par contre, faut que tu. Ok, très bien. Ok, parfait. Alors, on peut lui mettre de l'hémorragie, on peut lui faire en sorte qu'il fasse moins mal, parce qu'il fait mal, je crois. Oh la vache! D'accord. On pourrait le tuer, mais c'est un boss. Donc je voudrais le faire tuer par Sentinelle. Ça va, on est bon. On est bon vite fait quoi. Putain, l'autre elle se fait tout le temps tirer dessus quoi. Alors je sais qu'elle est pas derrière une barricade, mais elle est quand même dans la fumée. Précision 10%. Cool. On a... Ah, c'est pas considéré comme un boss. Oh, ok. Moi, je pensais que ça allait être considéré comme un boss, en fait. Résistance et étourdissement 100%. C'est vrai que ça c'est bien qu'après on a la résistance et l'étourdissement. Parce que sinon ça nous ferait... on pourrait stunlock genre une personne. Ça serait un peu débile quand même. Donc là il y a personne. On pourrait se mettre là. Faut la mieux la placer là, parce que là c'est une catastrophe. Faudrait la bouger et la mettre à la place de Jody. On peut peut-être la mettre là. Très bien. J'ai envie de rester là et de tanker lui en fait. D'être chargé. Et tanker les deux là avec avec Zeus. Pas mal.
Très bien, tout le monde récupère de la vie. Raté, bien, 112, ça fait mal. Ah, mais oui, d'accord. Je comprends pourquoi c'est la merde. C'est un sniper, j'avais pas vu. Il y a un deuxième sniper. Returning to duty. Ok, on a la... Ouais, 911. Ouais, 911, ça aide quand même. Ouais, non, en fait, 911, ça aide vachement. La... Regarde la... la distance qu'on peut parcourir. Bon, ce qui est bien, c'est que dans un sens, on... Now you wanna work together. On récupère tous de la vie, quoi. Et ça c'est quoi? C'est un sniper ça? Non, ça c'est un fusil à pompe. Let's put the odds in our favor. Très bien. Rapporte les PA non utilisés par le tour sur le tour suivant. Ça, est-ce qu'il y a une limite de ça? J'ai jamais fait attention. Genre, est-ce qu'on va vraiment avoir autant de PA en plus? J'ai jamais fait vraiment très attention. Ah ouais, non, là tu nous fais chier. Thunder, on peut peut-être le faire. Très bien. Parfait. On commence à avoir pas mal de buffs à chaque fois hein, quand il y a des trucs qui se passent. Moi j'aime beaucoup moi ça. J'aime beaucoup beaucoup. Toi t'as quoi comme buff? Ah la précision 10%, ouais, c'est un peu abusé en fait. C'est limite on a envie des fois que quelqu'un tombe à terre pour les réanimer quoi. Mais il reste plus grand chose hein. Là on va faire un tir comme ça. Que ces deux-là. Ouh, bien. Tout le monde a récupéré de la vie. Oh, trousse médicale. Oh, grenade cryo. Très bien. Étourdissement. Très très bien. Je sais pas ce que c'est encore ce carnage. Je suis sûr que c'est de tuer deux personnes dans le même tour ou trois peut-être. J'essaye d'utiliser les munitions qu'on a le plus. Là honnêtement je crois qu'on a plus vraiment besoin de tirer. Okay.
Ah merde, c'est au lance-flamme. Voilà. Mais il n'y a que lui au final qui a foulure du poignet. Précision 10%. Attends, ouais, la précision quoi. Le reste s'est bien passé. Camote. Croquis cerf-volant, hameçon. Collier d'oreille, c'est dégueulasse. Livre de connaissances. C'est bien dégueulasse tout ça. Engage. Hello again. You may recall that I am the human outreach gift shop. Marvelous. Lui y a rien. Lui y avait des trucs sympas, genre Trooper. Il y a ça là, composite. Ouais, c'est ça qu'on voulait. Mais commandement plus 1, ça aussi on n'a pas vraiment besoin. Ah, quoique. Bah, si c'est pas très cher, bah, si on arrive à. Ouais, commando. Commando et composite. Non, mais ça, si on arrive à l'avoir. Mais bon, je pense pas que les robots ils vont partir. Je pense pas qu'ils vont partir, les robots. Donc on aura toujours le magasin, donc on pourra prendre plus tard. Parce que oui, là, lui, il peut prendre commando, quoi. On n'est pas au max. Commandement plus 1. Ça qui est bien aussi dans Westland, parce que moi j'ai tendance à utiliser les mêmes personnages, j'avoue, sur les jeux. On peut aller peut-être se faire soigner par les robots, tant qu'on y est, vu que c'est gratuit. Vu que c'est gratuit, autant en profiter, non? Ouais, le coût des personnages, en fait, dans Westland, ou dans les XCOM et tout ça, moi, la plupart du temps, je garde toujours les mêmes personnages. Mais bon, on sait que dans XCOM et tout, on est un peu obligé de jouer avec d'autres. Et dans Westland, c'est ça. Dans Westland, c'est pareil. Mais j'avoue que dans Westland, vu que on peut avoir des... Putain, il y a tout le monde qui parle, ça me rend fou. On a de l'équipement et tout à mettre. On a des bonnes armes bien augmentées et tout. Donc même, par exemple, Scotch Mo, qui est pas vraiment top top, bah au final, oui, c'est plus ou moins l'équivalent de la cowboy, quoi. Et il a des trucs en plus et tout, enfin voilà, quoi, chacun a son truc, quoi. Donc ça marche bien, même en combat, au niveau. On a tué quand même le scorpion robot, quoi, avec lui. Hein. Je veux pas dire, hein, mais bon, c'est pas... Voilà. Tant qu'on a les 4... Tant qu'on a les 4 qui sont solides, les 4 principaux qui sont solides, honnêtement ça va, ça passe. Ouais, honnêtement ça passe. On peut aller là? Non, on peut pas aller là. Un truc que j'ai hâte, c'est... Zeus. Bon, Zeus, ça va prendre un petit moment. Hein. Putain, on a toujours ce buff, là. Zeus, ça va prendre un petit moment. Pour qu'il soit de haut niveau et tout ça. Mais quand il aura... c'est quoi? C'est la science bizarre, là. Ça. Ça fait des dégâts contre les robots. C'est bien ça, hein? Comment on prend ça? Putain, à chaque fois, j'oublie, quoi. Oh là là... Science étrange. Non, oui, c'est les trucs d'énergie. Bonus de dégâts d'énergie. Ça, mélangé au fait qu'il soit mécano, là. Donc ça, je crois que c'est contre les robots. Ou c'est l'autre. L'intello, je sais plus. Ça, en plus d'avoir des armes à énergie, genre la grosse mitrailleuse là qu'on a de côté, je pense que lui, il va être intéressant.
Je pense que lui, il va faire extrêmement, extrêmement mal. Oh, 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 oh. Doucement, doucement. Ah, il y a des créatures qui se sont mis à la place, quoi. Intéressant. Ça, c'est bien que la... Parce que ça ne se faisait pas, je crois. Ah, mais c'est des trucs dégueulasses, en plus, hein. Bien vénère, apparemment. Oh. 800. Je veux pas dire, mais c'est 800 de dégâts. Sans critique, hein. J'aurais dû tirer avec une balle. Ah merde, mais il est là le truc, putain. Bah, c'est pas censé... T'as Kazardas qui a 70% de coup critique, mais 80% de précision. C'est qui a... Qui augmente là le... La frappe chirurgicale directement, je sais plus. Ah, c'est peut-être l'autre. C'est peut-être l'autre qui a ça. Merde! Je tire à côté. Quel con. Ah bah bravo. Oh putain. Faudrait que j'utilise les raccourcis, mais bon. Oh, doucement. Allez-y. Bien. Oh bah il a résisté, pardon. Pas bien. You don't look so tough. C'est très bien. J'ai combien de paires? Ouais, non, il m'en manquerait un. C'est bien ce qu'ils peuvent plus passer avec le la bestiole. Là, t'as 3 points. Oh, bien. Ouais, il peut se mettre là, il fait bouclier encore. Beaucoup de munitions, je trouve. Je sais pas si on va avoir assez, hein.
Ah, mais lui, il a la gueule de bois, c'est pour ça qu'il a pas de PA. Ce gros débile. Y'a pas de... Très bien. Let's go team. Non mais de toute façon on va pas tuer les Gispers maintenant. Partner? Maximum music. Oh right. You can't talk back. Well, I hope the answer was yes. Ok, maintenant on va faire eux. Et là c'est les trucs qu'on doit tuer, détruire. Faudrait quand même commencer le combat. Pas mal. Alors là, j'ai tué un mec. Ah, ils sont pas tous activés. Intéressant. Mais c'est du coup, on combat qui là? Bah, du coup, on combat qui s'il y a personne qui est activé? Je sais pas. Ah, c'est eux qui sont activés. Ok, ça marche. Je me suis dit quand même. Pourquoi il y a de la musique comme ça là? Ok, ils nous ont vu. Par contre, c'est un sniper. Yes, yes! Vas-y, montrons-leur à ces sauvages. Oh, sniper. Ok, double sniper, ça fait mal. Très bien. Vas-y, tire sur l'enfant aussi, pas grave. Je sais pas si c'est un enfant. Donc là, il y a deux mecs. Il y a le sniper qu'il faut absolument tuer. Donc peu de vie, les deux. Je crois qu'on va y aller avec... avec elle. C'est quoi cette musique? Ah, mais je crois que c'est la musique de la radio en même temps. C'était pas fun. Alors, est-ce qu'on soigne? Ça fait quoi ça déjà? Améliore la précision. On va réduire la précision de. Prove humans can live without a brain.
Comme ça, ils vont se concentrer sur Thunder. Là, les deux duos, je pense. Enfin, ils seraient cons de pas le faire. Après, c'est des sauvages, hein. On en sait rien. Je peux retenter. Eh, bien joué. Je pense que lui va se prendre encore une balle de snipe. Alors je sais que je pourrais smoker honnêtement, mais pas vraiment envie en fait. Je préfère fumer une cigarette. On pourrait aller à la chercher. Est-ce que c'est vrai que Fury elle est pas aussi protégée non plus? Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Enfin, faut tuer tout le monde de toute façon. Voilà. Il suffit de demander des fois. Il suffit vraiment de demander. On peut se mettre derrière le feu. Non, on va se mettre là parce que j'ai peur de ça. Ah merde. Lequel? Il faudrait le tuer lui en fait. Fais chier. Ah, là on est dans la merde. Ouh, loupé. Oh. Ça
c'est un peu la merde. En fait, c'est qu'ils ont l'avantage du terrain. C'est juste ça, surtout. Bon, ils sont plus nombreux, mais ils ont surtout l'avantage du terrain, en fait. Donc, ça qui est cassé. De toute façon, on a les robots après. Ah, on sera soigné par les robots. Trois heures à les tuer, c'est ouf. Là, mais il peut... Ah non, non, il va pouvoir bouger. Oh, ça va peut-être pas bien se passer là. Ok, ouais. Ok, très bien. Ouais, lui, non, ça va, il se soigne. Bon, il a encore des PA normalement. Non, raté. Pas raté. Tu me l'as tué. On peut se mettre dans un coin où on peut toucher lui là. Voilà. Un peu pourri le... Ouais non, c'est le terrain honnêtement qui nous pose problème. Vraiment le terrain. Y a pas à chercher. Oh le truc du de l'empoisonnement, il peut aller super loin quoi. C'est vraiment un bon animal ça. C'est les deux là pour le moment, c'est possiblement les meilleurs. Pas grand chose. C'est quoi ça? Un mec sous le sol? Ah, je crois qu'il y a une autre partie qui est là, non? On va aller se soigner. Avec les robots.
Ah, du coup, on continue avec la survie, je pense. On a l'avantage, ouais, on a l'avantage. Il y a ça, qui est pas mal. Instinct d'explorateur. Révèle instantanément la totalité de la carte du monde, ainsi que tous les lieux à découvrir. Ça, je pense que ça peut être intéressant. C'est un peu la perque inutile si vous regardez Internet. Mais si vous le faites pas, bah ouais, c'est pas mal, quoi. Il y a ça que j'aimerais bien avoir aussi. Enfin, le temps qu'on arrive à 10, peut-être qu'on pourrait prendre ça. Frappe shuriken, les fusils de précision ont beaucoup plus de chances d'infliger des effets critiques. Ça, c'est bien, les effets critiques. Des problèmes que tu tiens un fusil de précision après être resté immobile pendant un tour. Peut-être... on est à combien? On est à 6. Ah, si on passe à 7, on aurait la concentration. J'avoue que la concentration, ça peut être bien. Peut-être mieux. Parce que c'est pas rien, 10% de précision, plus comme ça. Gratuitement, en fait. Parce qu'elle va jamais bouger. Enfin, elle bouge jamais. C'est un sniper, ça bouge pas, quoi. Donc j'ai bien envie de... Ça va encore lui augmenter sa... le fait qu'elle soit puissante, quoi. Après, est-ce qu'on va pas passer à côté d'animaux et tout? C'est le problème. Allez, ça va être notre super sniper. Il y a tout qui est intéressant dans le fusil de précision. Parce qu'il y a d'autres perks, c'est pas super... Après, bon, oui, là, il n'y a qu'une seule arme, en fait, comparé aux autres. C'est genre arme de poing, il y a le fusil à pompe et le revolver. Après, les autres aussi, il y en a deux à chaque fois. Là, il y a seulement le fusil. Donc oui, il faut que les perks soient bonnes, quoi. Donc on va prendre ça. Ça nous fera 10% de précision gratuitement. Très bien. Ça fera ça, c'est bien. Parce que la frappe chirurgicale, oui, c'est intéressant. Parce que du coup, on pourrait faire, je sais pas, plus de dégâts si on fait la tête. Le saignement, quasiment à coup sûr, j'imagine. Mais c'est vrai que le 10%, enfin, si on loupe, on loupe, c'est chiant, quoi. Donc le 10% de précision, c'est bien quand même. Donc ouais, c'est cool. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est les munitions là, par contre. Honnêtement, c'est vraiment les munitions. Cela, on va pouvoir tuer le reste des fous, mais les Gibbers, les Gibbers. Je sais pas. Je suis pas sûr, hein. Là, on a quoi? Bon, ça va. Balle de sniper, ça commence à réduire. Là, le lance-flamme aussi. Là, la mitrailleuse, pareil. Ouais. Enfin, de toute façon, comme j'ai dit... Ouais, non. De toute façon, comme j'ai dit, on va devoir refaire des tours pour aller acheter ce qu'il nous faut. Donc, on va pas les combattre directement. Là, on a assez... Oh là là. Ah, merde, j'avais pas pris l'équipe. Là, on a assez pour le reste, mais les Gibbers faudra attendre un peu. Obligatoire fait 15% de dégâts d'énergie à la constitution des ennemis se trouvant. Ah non, ça c'est pas vraiment intéressant. Après ça c'est bien. C'était quoi le niveau de ces armes? Les armes spéciales là que j'ai achetées, là, que je me suis cassé le cul, et ça a coûté une fortune et le mec il peut pas les utiliser. Armes lourdes niveau 5. Donc ouais, on va devoir mettre là-dedans au moins. On va être obligé. Parce qu'il faut qu'il puisse utiliser les meilleures armes, parce qu'il commence à... Honnêtement, il devient de moins en moins utile en combat. Donc, ouais. Alors après, pour les habits, la capacité. Honnêtement, cette capacité, je la trouve pas vraiment intéressante. Enfin, je sais pas.
Les robots piratés infligent un certain nombre de dégâts, ça c'est pas utile parce que nous on voudrait qu'ils restent en vie plutôt, comme ça on les pirate les uns après les autres, ça fait des tanks. Robots piratés donnent 2 PA, ça peut être intéressant mais c'est pas urgent. Dégâts bonus contre les robots et véhicules, oui. Matériel déployable gagne 25% de conscience, inflige 25% de dégâts, oui en plus. Réparation de véhicules robots augmente également la conscience max de la cible de 33% pendant 3 tours. Ça aussi c'est intéressant. Je pense que pour le moment, ça serait dégâts bonus plus intéressant. Parce que les tourelles, on n'en balance pas des tonnes. C'est super rare qu'on le fasse. Donc à la limite, pour le moment, ce serait dégâts sur les robots. Et là, du coup, maintenant, on peut changer. Donc lui, il arrêterait avec le lance. Ah, mais on n'a pas de, tir énergie, en fait. On n'a pas de cellules. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Bon, déjà, l'arme. Ouais, non, c'est ça. C'est le calibre 50 qu'on veut mettre. Je crois. Qu'est-ce qu'elle a, Thunder? Thunder, elle a le 7,62, niveau 15. On n'a pas un deuxième de ça. Non, ça, on en avait acheté qu'un seul. Par contre, le lance-flamme décapeur. On a un deuxième décapeur. Bon, pour le moment, on peut pas vraiment utiliser ça. Donc, tu vas passer au décapeur. Je crois que je suis quasiment certain qu'on a un deuxième décapeur. 18-27. Voilà. Voilà. Parce que ouais, non, la tourelle, on peut, ça ne sert pas. Enfin oui, elle sert quand, ouais, des fois, quoi, quand on est vraiment dans la merde, qu'il faut vraiment plus de pouvoir, quoi, de puissance. Donc ouais, c'est un peu bête parce que je voulais augmenter le reste, mais on est obligé d'augmenter un peu son combat aussi. Le mec il reste à la traîne, là, c'est pas bon. Puis encore une fois, les armes, déjà les armes lourdes sont pour le moment pas extrêmement bonnes. Surtout ça, quoi. Surtout ça, le problème. Le mec, il boit ça. Le mec, il boit. Il juste boit, quoi. Il est pas en combat, rien, il boit. Bon, maintenant, faire gaffe, il n'y a pas des trucs. Non, ça va. Je peux pas arrêter la musique. Attends. Thunder. On pourrait lui augmenter l'intelligence, on pourrait lui augmenter ça, la précision, la perception, la chance, non, la vitesse pour aller plus loin, pas vraiment. On lui augmente la conscience, je pense. Putain, c'est quoi cette musique, quoi? Regarde-moi cette musique! Alors, c'est une autre avec une lance-roquette et tirant en l'air. La roquette retombe et bombarde la zone en dessous, infligeant 100% de dégâts autour de celui-là. C'est pas mal ça. Ah, c'est marrant ça! Vous ne déclenchez plus les mines lorsque vous marchez dessus, mais ça donne aussi perception plus. Hein. Intéressant. Pour les explosifs, nous on a dégâts de feu, explosion. Parce que lui, elle, on va la faire genre tenir un lance-roquette quoi. Là c'est quoi? Cibler la zone, donc ça c'est pas mal. Et si frapper en plein fouet par des roquettes ou des grenades subit automatiquement un coup critique, c'est bien. Dégâts de feu, capacité d'effet augmente 40%. Ça aussi c'est pas mal. Même si le monde de... Est-ce
qu'on pourrait déjà lui donner un lance-roquette 72-110. Ah oui, on a le Stinger. Est-ce que... Oui, maintenant, elle peut utiliser le Stinger, c'est vrai. C'est classe. Le Stinger, on a 8 roquettes. 1600 le prix, putain. Il doit être super cher, du coup. Je crois que... Je sais pas si c'est le prix de base. Ouais, non, ça doit être ça, 1600. Ouais, on va le garder. Putain, j'ai envie d'utiliser ça, maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Cibler une zone avec lance-roquette et tirer en l'air. La roquette retombe et bombarde la zone en dessous. Donc, je fais 50 de dégâts, toi, celui-là. Plus 100% de dégâts, donc en gros c'est double dégâts si les gens... ouais, c'est un mortier quoi. Ça peut être intéressant. Surtout pour les grosses cibles qui bougent pas beaucoup. Ça peut être intéressant. Après, on n'a pas beaucoup de munitions. On va prendre un décapeur. Oh là, cette musique là, faut qu'elle s'arrête. Après, on a ça qui est pas mal. C'est un fusil en fait, c'est pas un lance-flamme normal. Je sais pas maintenant s'il est pas un peu bas en niveau. Ouais, non. Arme lourde 6. Ah, il nous faudrait ça en fait. Pour elle, peut-être. Ah non, c'est la cellule d'énergie. Je sais pas si on prend une mitrailleuse ou on lui met un décapeur en fait. Genre décapeur lance-roquette. L'explosif, ça fait des dégâts de feu aussi ou pas? Non, c'est résistance aux explosions et dégâts explosifs, ok. Et là, on a résistance au feu, résistance aux explosions, ça marche. Ça, j'aime bien, hein, la précision aussi qui est baissée. Je sais pas, stress situationnel. En fait, je sais pas. Ma question, c'est quel type d'arme on va lui mettre à elle. C'est toujours ça, ma question. C'est quel type d'arme on va lui mettre. Lui, on lui laisse le fusil d'assaut. Le lance-flamme, il va jarter un moment ou un autre. Ça, là, c'est juste parce qu'on n'a pas les munitions. Elle, on pourrait la faire en tant que lanceur de flammes. Mais si jamais on tombe sur des robots, ça va pas être très très utile. Elle, je sais pas encore quoi lui mettre. Je vais réfléchir. Je crois que je vais encore un peu attendre avant de me décider. Parce qu'encore une fois, si elle fait que du lance-flamme. Et du roquette, ça peut être intéressant. D'accord, si on lui a mis un Stinger maintenant, honnêtement, mais... Oui, non, il a mis une lance-flamme. Allez, go. On y va, parce que je parle trop. Merde. Merde. Ça va pas tirer. Je crois que j'ai bugué le jeu. Ah non. Oh, sa pute. Ça va. Ah, vous faites pas de dégâts, c'est ouf. Très bien.
Parce que voilà, lui on va le personnaliser genre anti-robot, donc avec truc énergie et mitrailleuse. Elle, on pourrait faire lance-flamme et roquette, parce qu'elle, elle est plus dans le... dans la mêlée. Ouais, on a... Tu vois ? Non, c'est un missile nucléaire qui poudre un nuage de radiation. Ça peut être pas mal. Elle est plus dans la mêlée, donc autant lui mettre juste une arme de pure mêlée, quoi. Enfin, c'est... Genre qu'elle soit entourée d'ennemis, vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, on est mal placé. Truc de ouf. Mais il est où le mec? Il est sur moi? Ah, il peut se mettre sous moi en fait. Ça doit être leur spécialité, ça. Il peut se mettre sur la même case que moi. Je suis sûr que ça, c'est leur spécialité. C'est pas mal, 91. Pas mal, dis-moi. Oh, c'est quoi leur vie là? Bah ouais, non, mais faut avoir un peu plus de vie que ça, les gens là. Tellement rien. C'est beaucoup de munitions gâchées. Honnêtement, je veux que les animaux le finissent. Allons faire sauter les cerfs-volants. Voir un peu. Alors, contre-espionnage. Ah, ça c'est fait. Alors, 2 sur 3, quand détruit 2 sur 3, ça marche. Un peu chaud des fois de gérer autant de gens en fait. Non merde, on a là. On n'est pas très discret les mecs. Hein. Ok, ça va passer. Pas mal. Protégé par contre. Là. Faut qu'il puisse passer. Donc Zeus. Zeus, tu vas être là. Waouh, d'accord. Bien joué. Hein. Pas mal. Non, ça fait mal lui. Hein. C'est quoi toi? C'est un mêlée, ça c'est quoi?
Toi, tu risques de nous faire chier. Eux, ils sont activés aussi. Ouais, ils sont activés. Fury, elle n'est pas protégée non plus. C'est... Putain, cet endroit, c'est horrible, quoi. On peut pas se mettre. Pas mal. Cool. Sniper. Correct, ils font pas trop mal. If you're looking for trouble, you found it. Right, guys? Parfait. Elle aussi, on va faire ça. Tiens, on va fumer un peu. L'autre aussi, on devrait lui mettre des... Enfin, quoi que non, faut qu'elle se soigne de temps en temps. Enfin, que... enfin l'autre, elle se fait one-shot, quoi. Alors... chirurgie au max en fait. Alors de portée. Un bon tir dans la jambe, un bon tir dans le bras. Un bon tir dans la tête. Non, la tête ça va pas le tuer. Jambe. Très bien. Quoique, là on est dedans. Très bien, saignement. Le truc, c'est qu'il va défoncer Fury. Je suis en train de me dire là. Ouais. It's good, mirrors can't talk. Ouais, il va défoncer Fury. J'ai envie de tester une requête. Elle était trop loin. Bien joué. Cool. Fury, elle va passer un mauvais moment. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, faut recharger. Je suis en train de me dire qu'on aurait dû peut-être lui donner l'augmentation de lance-flamme. Si elle fait que du feu, on les brûle, ça les débuff là. À chaque fois. Got it!
se faire one shot. Ah. Ouh, vache. Ça va. Ça va très bien même. Ça se passe. Il y a ça aussi qu'il faudra faire ça. Moi. Ouh. Maintenant la vivacité d'esprit. Non. Ça, concentration. Ça c'est... Honnêtement, je crois pas que dans le deuxième jeu, il y avait un système comme ça de soins aussi... aussi pratique, j'ai envie de dire. Je suis quasiment certain que... quasiment certain qu'il n'y avait pas ça. Ah oui, mais elle peut pas bouger en plus. Ah, puis il faut absolument le tuer du coup. Absolument le tuer quoi. Lui balancer une requête. Je sens qu'elle va tomber, Fury. Je peux me mettre nulle part en plus. De là, je vais être. On va voir. Oh, raté. Fascinating. Ça va. Oh yes, c'est poison. Putain, on dirait que c'est du quasiment 100% quoi. Ah, bien joué les mecs. Thanks for the assist, Hoss. Allez, on peut voir un peu. T'as trop de bonus. T'as trop de bonus. Thunder, tu peux avancer honnêtement. Je pense qu'on peut les laisser crever. Sans devoir bouger, mais bon. Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'on devrait les tuer ou pas? C'est ça ma question. De toute façon, est-ce qu'on peut? Parce qu'au final...
l'autre il devrait mourir. Il devrait pas faire de dégâts quiconque. Oh la vache, 140 le critique. Putain. Ça va. Merde. Je pensais vraiment pas que... Ouais, je pensais vraiment pas que... Ouais, mais Zeus il est pas aussi résistant de toute façon, c'est normal. Il a pas l'HP, les HP en plus, il a pas l'armure en plus. Enfin voilà quoi. Du coup faut que je passe par là pour monter parce que l'autre il a... bloque l'échelle. Aller loin. On va mettre Jody là. Toi, tu peux pas te déplacer parce que t'es bourré comme pas possible. Toi, t'es une catastrophe. Je me demande la... Oh. Oh. Merde. C'est Sentinelle qui est mort. La terre. Patron, voyons, relevez-vous. Très bien. Fury, elle a vu sur que dalle. On va le mettre en plein milieu, mais enfin, quoique il a été boosté à la vie et tout, donc ça devrait aller. Ça va, prends rien. L'autre il a été étourdi donc il joue pas. Je me demande que si d'avoir le l'amélioration du lance-flamme là, ou si les gens brûlent, ils ont la précision en moins. Je me demande si ça marche en, en balançant des cocktails. Ça serait un peu abusé si ça marche. Ah,
surprise. 67. Très bien. Allez, on va se mettre là parce que j'ai peur de toucher le clone. Ça fait tellement pas de dégâts, c'est ouf quoi. C'est juste ouf. On tue au dot. Honnêtement, je pensais pas que le... Le jeu allait devenir comme ça en fait. De tuer au dot comme ça. Je suis assez étonné de la tournure que ça prend. Un peu con là ce que je fais. Mais il est tellement inutile lui. Pas se cacher quoi. T'as 25 d'armure, 285 HP, ça va. Ah, je me demande la pénétration de son arme. Parce qu'on résiste beaucoup, hein, enfin surtout Thunder. Nickel. On peut tirer une deuxième balle. Non, c'est bon, on a gagné. On va pas tirer. Économie de balles. On va le laisser. Ici, il va taper. Thunder, et puis après il va brûler. Ah oui, il a ça maintenant. Ouais, il fait un peu plus mal. Ok, ça marche. Localiser la bataille de guerre errant des pêcheurs célestes. Tu vas me dire que c'est pas fini du coup? We're getting reports that, oh wow, a huge mass of godfishers appears to be approaching Denver. Let's hope the Gippers have their defenses ready. If anyone's in the area, lend them a hand. Je suis en train de me demander. Ils vont peut-être avoir des problèmes sans la statue, non? Spectromètre optique, perception plus 4. Arme contendante, briscoute. Parce que nous on a saboté la statue. Au final on l'a saboté un peu pour rien. Faut être honnête. Perception plus 4. Perception plus 4. Est-ce que ça serait utile de lui mettre plus de perception à elle? Enfin, on va pas lui enlever le critique. Non, on va le mettre à lui parce que pourquoi pas, il n'y a rien d'autre en fait.
Ah tiens, il a monté de niveau. On va lui mettre quoi? Plus de force pour plus de vie, hein, c'est ça? Je crois que c'est ça. Et après, commandement ou arme automatique. Ça ferait plus de buff en fait. Après, les armes automatiques au niveau 7, ça sert un peu à rien, enfin pour le moment. Ah oui, double. Ah oui, non, mais double, c'est avec les fusils d'assaut, je crois. Cible deux fois de suite avec un fusil d'assaut. La deuxième attaque, toujours un coup critique. Ça, c'est bien. C'est bien, mais pas vraiment pour nous. Après, une fois qu'on aura, je pense, augmenté la force au max. 3, 4, 5... Ou alors on fait la vitesse pour qu'il aille plus vite. Peut-être que ça passe, peut-être qu'on met tout en vitesse maintenant. Genre vitesse de combat, esquive, initiative. Genre comme ça, il se déplace plus loin et tout, il est plus mobile. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Pardon. Ce lance-là est quand même vachement utile. Qu'est-ce qu'on fait? On va se soigner ou pas? Est-ce qu'on a besoin de se soigner? Ah, pas vraiment. Ah, enfin, quoi que. On va voir déjà. Après, s'il n'y a pas la statue, ça veut dire que... Bon, les mecs, ils vont en chier, en fait. Pour combattre. Donc, ils risquent de... Beaucoup risquent de crever, en fait. Donc ça, ça m'intéresse. Non, il y a PGRCS, naturellement, peut-être avec deux autres camps et rien à côté. Good work. I've heard there's another group skulking around, though. So keep an eye out. Ok, ça marche. Salt to language makes Ronnie unhappy, and he asked so sweetly for me to stop that I said I'd try. Marriage is all about compromise, you know. Ouais, c'est ça. You too, right? Ok, on va aller soigner. Je suis sûr qu'ils vont être sur le chemin. On va aller soigner avec les robots. Partners. Ok, il n'y a personne. Okay. Engage in the time-honored tradition of trade with me. Ok, peut-être que quand on reviendra alors, je sais pas. On va se faire soigner par les robots gratuitement. Wow, okay. On a 1400. On n'a toujours pas vendu le... Ça, le Camelot. On a tout ça de Camelot. Genre 31 de ça par exemple. Ça fait 10. Ça ferait 40. Non, c'est 40, 400 fois. 40 fois plus? Je sais plus. Donc je pense qu'on peut avoir pas mal d'argent. Quand on aura notre petite cowboy. Repairs or enhancements? Repairs to do. Yes, you may experience a desire to move. Resist this to the best of your ability. You may experience a desire to scream. Les robots, pas besoin de d'avoir le l'augmentation pour le moment, parce que les robots ils vont pas partir, parce qu'on sait, on est alliés avec eux, nous. Donc ils vont pas disparaître, c'est bien. Donc pas besoin de rusher en fait d'acheter ça. Il n'y a que l'armure que je voudrais acheter.
Après, encore une fois, bah, ça va nous faire patienter pour la protection radiation. Mais bon, faut faire le choix. Faut faire un choix. Allez, on a 1400. On va vendre... Il parlait en allemand, le mec, le robot, quoi. On va vendre la Camelot. On va peut-être monter à 2000. Enfin, peut-être pas autant, mais... Ouais, 2000, allez. L'armure, elle doit coûter 900 maintenant. 800. Ça va. On va pouvoir se débrouiller, je pense. Niveau argent. On a plein de ferraille, par contre, ça, je suis content, ça. On doit avoir plein de ferraille. Fais voir, ouais. 1700. Donc ça, c'est sympa. Hope you like this one, because I'm gonna play it like three more times today. Ok, cool. Donc toi, tu me dis qu'il y a... Trouver le bataillon de guerre des pêcheurs CS avant qu'ils n'attaquent les ruines de Denver. Le bataillon. Genre un bataillon, quoi. Je sais qu'on a le cratère pas loin, mais le cratère, il n'y a rien, en fait. Là, on a le cratère de Denver. Mais on peut pas y accéder. Enfin, c'est juste... je sais pas, on va voir. On va se balader, on va faire le tour, quoi, mais... Genre un bataillon, quoi. C'est énorme, un bataillon. Oh. T'es qui, toi? C'est quoi ça? Femme ne prononce pas un mot lorsque vous approchez, elle est vêtue d'étoffe fine, elle est pieds nus. Observez. Elle est immobile et semble pas avoir remarqué votre présence. Premier soin, sa respiration est anormale et faible. Survie, la neige scintille sur sa peau, elle ne fond pas. La clinique des yeux puis ça va te arriver. C'est sûrement un cyborg. Éliminez la femme, tapotez. Bonjour. Pour sa réponse, entendez le bruit du vent à travers le cratère. La femme ne semble pas remarquer votre présence. Avez-vous besoin d'aide? Sans pas remarquer votre présence. Vous pouvez vous comprendre, faites-nous un signe. J'ai peur que ça déclenche un combat de tapoter. Vous apprêtez à toucher la femme, un coup de vent traverse le cratère béant. Une petite éclat de glace vous fouette le visage qui vous aveugle momentanément. Fallait le faire ça ou pas? C'est qui ça? Ok. Est-ce que c'est une personne qu'on va... Attendez, on va faire ça. Je veux voir ce qui se passe quand on l'attaque. Est-ce que c'est une personne qu'on va rencontrer plus tard? Genre un peu une quête spéciale? Ou il peut venir avec quelqu'un de bien précis? Oh putain, c'est là quoi. Merde, il est où le cratère? Il est là. Ou alors faut venir avec quelqu'un de bien précis pour qu'elle réagisse peut-être. Oh, we're back. Whoops. Dang. Okay. Here's another one. Attaque. Foutu. Oh. Ok. Bon ben... Ouais, faudrait la laisser en fait. Mais je... Je sais pas, j'ai un doute. Je pense pas que la laisser, en fait, va faire avancer quoi que ce soit. Je pense que c'est... Il faut la toucher. On va refaire...
Qu'est-ce que ça peut être, cette femme? Femme en blanc. Bon bah... Attends, et si je fais ça? Striking first gives a strong tactical advantage. Crâne humain. Eau humain. J'ai mouchoir. Condensateur. Poil de chien. C'est bizarre comme... comme loot en fait. C'est bizarre comme objet qu'elle fait tomber. Donc s'il y a un condensateur et tout, c'est que c'est un robot quoi. Ouais, on va laisser ça comme ça. Saleté le gros là, même pas foutu de tenir votre arme droite. Voilà, peut-être que ça fait avancer le chemin public. Bon, est-ce qu'on peut combattre avec ça? Bonus dégâts de mêlée, dégâts à distance 15%. Ah, on va peut-être pas pouvoir combattre avec ça quand même. Peut-être pas exagérer non plus. Bon, on y retourne, on va se refaire soigner. Honnêtement, j'aurais combattu avec ça, je m'en fous. Mais on est à côté du docteur. Pas où il est le bataillon. Il est peut-être à l'extérieur de Denver. Le bataillon. Ah, friends, this is one of those songs that makes you long for fresh air and open spaces, and maybe a little green on the ground. Know what I mean? Allez, dépêche. Repairs or enhancements? Repairs to dermal, muscle, and organ tissue. Yeah, you may experience a desire to move. Resist this to the best of your ability. You may experience a desire to scream. Je me demande si on n'aurait pas pu améliorer le clone. Ça m'étonnerait honnêtement parce que déjà il est honnêtement il est déjà très bon. Repair cycle complete. Data indexing in progress. Person, what happened to you? And allez, on y va. Oh là là, ça m'a fatigué tout ça. Vous allez retour, hein. Quand je fais des sessions un peu trop longues et qu'il y a plus trop de combats et tout, qu'on fait des allers-retours, ça fatigue. Je voudrais juste finir avec les fous là, puis après on passe à autre chose. Là on peut voir que c'est ce tuyau là. Hein. Ok, alors fais voir s'ils attaquent à l'intérieur là. C'est quelque chose qui a changé. Non, il n'y a rien qui a changé. Non, on n'a pas besoin d'être là. Peut-être sur la map. Hein. Moi je pense qu'à l'extérieur la map. Trouver le bataillon de guerre des pêcheurs, c'est gens qui n'attaquent les ruines de Denver. Ouais, c'est peut-être avant. Peut-être à l'extérieur du coup. Wow! Ok, Gipper a combattu. Ah, d'accord! Rangers, un gardfisher warband just swept into the plaza!
Ça marche. Sommes en route. Là c'est fun. Là c'est fun parce que du coup ils ont pas la... la statue. Donc il y en a plein qui vont crever, donc bah, c'est bien pour nous en fait. Jorsès se différencie des oeufs, c'est le seul qui a été libéré par Mère Nancy. Ah, contemple le ciel. Ouh la vache. Do you see their pride? They stand among those who we've shorn of life, of limb, and they think they can escape. Au Paris bordel, ne répéterons pas, rendez-vous immédiatement. Mais on est là. Quel dommage que vos dieux soient au ciel parce que vous allez finir 6 pieds sous terre. Ouais. Oh, oui, je sais, Fury, je sais. Ah, et si la sœur Glorie elle crève, elle va pas nous redonner, elle va pas nous donner la quête. Merde. Mais je sais pas. Mais bon, si tous les autres là, tout ça, ceux-là là, s'ils peuvent crever, c'est pas grave. Ça nous fait moins de personnes à tuer. Alors, t'as quoi toi? Mitraillette. Y'a pas de sniper? Si. Ça y est, on a touché une seule tourelle. Ça y est, c'est la panique, quoi. Tout le monde nous déteste, c'est bien. Quelle merde. Do you see them, oh gods of the... Classe. C'est classe. Il y a personne qui brûle par contre. C'est moins classe. Mais par contre, arrête de se prendre cher en fait, je suis en train de me dire. Non. On va voir. Ralentissement et saignement. Ah bien.
Ah. Yes. Si on a une balle qui se perd, est-ce que ça va les vénérer aussi? Ah, on pourrait tous les écraser avec le camion en fait. Espèce de connard, tu viens nous brûler. Du coup, c'est qui est tombé? Ah, mais c'est Scott, je crois que c'était le chef. Ça va! Pas les écraser. On peut pas vraiment se balader en fait. Quoi? Oh, putain. Oh là là, ce combat il va être horrible. Ce combat il va être horrible. Va falloir faire en sorte de toucher personne. Une balle à côté, c'est fini quoi. Oh mon dieu, ok. Je vais sauvegarder, je vais le faire plus tard. Ouais. Ah putain, ça va être relou. Bon, bah en tout cas, ça se passe bien. Ouais, on a détruit la statue. Honnêtement, mais c'est pas grave. Au moins, il y aura peut-être des morts de leur côté. Donc ouais, le côté des Geepers. Là. Bon, ça fait chier, hein, ça fait chier. Là, le combat, là, où on met une balle à côté, ça c'est même pas nous, vraiment. Complètement aléatoire, du coup, ça les rend méchants, quoi. C'est peut-être un peu exagéré. Faudrait peut-être qu'ils s'énervent au bout d'un moment, ou genre au bout de 3 tirs, bon là, oui. Mais là, non, ça va être relou, quoi. Ça va bien être relou. On verra ça. À la prochaine, ciao ciao.